Bonjour tout le monde, c'est Emilie et Benjamin, même à Alexandra. Alors je vais vous montrer à quel point un viticulteur peut déprimer. Voilà, il n'y a pas que des beaux moments dans notre métier, il y a aussi ces fabuleux moments de mécanique, surtout quand il y a quelque chose qui pète. Et Benjamin adore faire de la mécanique. Je vous montre ça tout de suite. Allez les garçons, montrez à quel point vous êtes déprimés. Donc Benjamin est ici, Alexandre est couché, voilà, ils en ont vraiment plein le bip. Et en fait, il y a la rotule de direction qui a cassé du merlot. Et là, ils sont en train de faire, de réparer. Voilà, la pièce est arrivée. On répare la rotule de direction. Voilà. Donc en fait, ils essayent et là, ils pestent après la clé de je sais pas quoi. Bon, enfin bref. Que ça va pas, ça ne marche pas comme ils veulent. Ils pensaient en 5 minutes avoir fini. Et puis donc, voilà. Moi aussi, j'espérais qu'en 5 minutes, ils aient fini, qu'on passe à autre chose. Mais non, voilà. Donc là, ils sont en dessous. En dessous le rotule du merlot. On a chopé le corona du merlot. T'as chopé le corona du merlot? Pourquoi? Arrête, il y a des enfants qui regardent. On peut pas dire de gros mots. Sinon on va être censuré. Allez Alexandre, force. Je bloque. Ah, bloque. Pardon. On a doué pressé. Ah mais tu peux pas avoir de force comme ça, tu te rends compte. Attends, je te remplace. Je vous préviens, on le laisse pas comme ça. Voilà, sur ce. Bon, il veut... En fait, je crois que... Tu veux que je t'amène un sandwich, chérie? Bon, allez, sur ce, la semaine commence bien. On vous souhaite à tous une bonne semaine. Nous, dans 5 minutes, quand on aura fait brûler le merlot, on sera de super bonne humeur. Allez, à plus tard. Bye, bye.